Yo les gens, ici Rafi 7650, on se retrouve pour une vidéo sur Euro Truck Simulator de présentation d'un petit mod qui est sympa, je trouve. Je vais vous le présenter, comment déjà l'installer et comment l'avoir. Donc je vous mettrai le lien de description, comment le télécharger. Donc c'est très simple, hein. Vous mettrez le lien et vous aurez juste à le télécharger et après le copier dans votre lien mod. Voilà, pour ceux qui jouent au jeu depuis un certain moment, vous connaissez comment ça fonctionne. Donc gestionnaire de mod, et ça sera ce mod là, je vous présentais ça en vidéo. Donc c'est le Phosphoric Road Markings V3.0. Donc en fait, en gros, c'est tout ce qui est ligne blanche, les lignes pointillées, vous avez les places de parking, les péages cloutés vont être en fluorescent. Donc après, c'est pas voyant-voyant, mais ça se voit quand même à un certain moment, surtout quand il fait beau, soit en fait, il s'éclaire avec la lumière du jour, ou sinon il s'éclaire la nuit avec les phares. Donc vous allez voir ce que ça donne sur une partie. J'ai tout de suite roulé un petit peu, juste faire un petit. J'ai 2 km à faire en camion pour aller chercher une prochaine livraison pour ma prochaine vidéo, voilà, que je vous publierai sur ma chaîne. Donc comme ça, on va faire ça ensemble. Ça, vous verrez ce que ça donne dans le mode. Et je ferai toute ma première vidéo, toute ma prochaine vidéo sera avec ce mode. Après, vous me direz ce que vous en pensez, si vous voyez que c'est. Vous voulez que je continue avec ou je reviendrai en ligne normale. Mais voilà, c'est juste pour faire un truc marrant dans une vidéo, quoi, vous voyez. Je pourrais même trouver d'autres modes, style pour avoir une pluie plus réaliste. Mais je trouve que dans le jeu, la pluie est déjà pas mal faite. Déjà, elle est mieux faite qu'au début, quand elle est sortie. Mais voilà, quoi. C'est. Par rapport à. Si on fait la comparaison avec d'autres jeux, style par exemple Truck Driver ou même On the Road, bah la pluie dans ETS est quand même mieux faite. Donc là, petite parenthèse par rapport à ETS 2. On m'a posé la question sur un message sur YouTube. Est-ce que tu sais quand arrive le mise à jour On the Road? Bah franchement, voilà, je peux pas vous dire, j'ai aucune nouvelle. Je sais que la match devait sortir la semaine dernière. Mais en fait, on n'a pas eu de nouvelle. La mise à jour, je crois, soit elle n'est pas sortie, soit elle sortira pas. Mais bon, je sais pas ce qu'il en est par rapport à On the Road. Moi, je suis plus les sauges. La mise à jour sort, la mise à jour sort, la mise à jour sort pas. Moi, ça m'empêche pas de jouer à ETS, quoi. Voilà. C'est franchement, on va dire, On the Road, maintenant c'est plus ma priorité parce que depuis que je peux faire tourner ETS sur mon PC, bah, je préfère jouer à ETS que On the Road. Voilà. Parce qu'un gage de qualité, ETS est quand même beaucoup mieux et largement plus mieux que On the Road. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Donc voilà, là on est dans mon camion, vous voyez, on a les petites lignes blanches, bleues là sur le côté. Ils sont fluorescentes, on voit qu'ils sont fluorescentes. Et je vais vous montrer ce que ça donne en partie du coup. Je sais pas si j'ai mon frein à main. Je pense pas que j'ai le frein à main, je pense pas. Donc on va y aller, j'ai 2 km à faire pour aller chercher ma livraison. Voyez, même les places handicapées, on voit qu'ils sont bleus, regardez. Je peux vous montrer. Hein. Vous voyez quand avec le camion, quand on roule dessus, en fait ça fait plus éclairé que la normale. Vous voyez? Les lignes s'éclairent. Vous voyez, la nuit, ça fait vraiment balle. Ça fait beau avec les. Si on a la lumière des éclairages publics, vous voyez, ça fait beaucoup plus joli, je trouve. Tournez à droite. Waouh. Comment je conduis, moi? Faites le tour du rond-point, deuxième sortie. Ok. Vous voyez, c'est. Je trouve. Voilà, c'est. Ça sert à rien comme Prenez mode. la sortie. Mais vous voyez, c'est stylé, je trouve. Ça fait. C'est marrant, je trouve. Vous voyez, ça fait des lignes bleues. C'est. Voilà. Je vous mettrai le lien dans la description. Pour ceux qui voudraient. Vous voyez, Tournez même la on a même droite. les flèches qui sont fluorescentes. Bah, je trouve que ça change. Ça peut changer un petit peu. Vous voyez, c'est un peu. Faites Ah, le c'est tour pas. du Ça sert à rond-point, rien, mais c'est première marrant. sortie. Moi, je trouve que c'est marrant, quoi. C'est. Prenez la Je trouve sortie. ça pas banal comme mode, voilà. C'est un mode pas banal. Vous voyez, surtout sur les lumières, quand il y a les lumières, on voit mieux. Tournez à gauche. Donc, je cherchais marchandises et après, bah, ça va se finir là. Donc, en plus, on doit livrer Ducati. On a livré Ducati, alors je sais pas ce qu'on va livrer, parce que c'est écrit Ducati hein, ma livraison. Vous allez voir ça, mais donc on a livré à Ducati normalement. À Milan, à Ducati. Vous êtes arrivé. Alors là, je suis arrivé à la livraison. Où faut que je livre, où je dois prendre mes marchandises. Hop, je fais marchandises, vous allez voir. Hop, et normalement c'est. Donc c'était à Milan que je voulais prendre. Voilà, c'est ça, Milan. Vous voyez, je livre de Arces à Ducati, voilà. 9000, il y a 327 km, donc ça sert à en avoir plus. Et après, du coup, moi, ce que je ferai de mon côté, j'ai toutes les autres villes à finir. Et je pense qu'après, on va aller un peu découvrir un peu les autres pays. Donc la Suisse, après, on partira un petit peu en Autriche, en Hongrie, en Roumanie, en Bulgarie, Turquie. Donc je pense qu'on fera ça les prochaines étapes.
On va faire petit à petit, on va faire en place Suisse. Déjà, je voudrais finir Berne parce que je l'ai pas encore fait, donc je pense que je vais le faire en vidéo ça. On va aller en Autriche un petit peu, on va faire quelques épisodes en Autriche, après on va aller en Hongrie, Roumanie, Bulgarie, Turquie, revenir sur la Slovaquie, peut-être un peu en Pologne, Lituanie, etc. etc. Voilà, vous voyez. Voilà. Et c'est prévu dans ma partie où je suis dans la promenade, on va aller en Ukraine. Donc on va faire petit à petit, on va parcourir l'Europe en Ukraine, voilà. Donc je prends cette livraison là du coup. Donc Ducati, c'est même pas des motos en plus, hein. Je pensais que ce serait des motos, mais non. C'est même pas des motos. Ah, par contre là, j'aurais pas dû me mettre comme ça. Voilà, top, T. Voilà, j'ai pris ma marchandise. Ça c'est cool. Hop, non, je suis bien galère. Alors par contre pour ma photo, je vais la faire où la photo? Ah, je vais peut-être faire un demi-tour là-bas puis je ferai ma photo pour mon pour ma mitru, ma miniature, ma miniature. Ou soit je la fais devant là. Ah oui, je peux la faire devant là, ma photo miniature, c'est bien. Attendez, je vais avancer. Comme ça, vous aurez bah comment je fais le miniature, quand je crée mes miniatures, comment je fais quoi? Ça, je vais le faire en vidéo. La vidéo là. Virage à droite imminent. Donc je vais mettre comme ça, voilà, tac. Tournez à Je vais mettre le frein à droite. main. Je vais mettre en mode photo. Comme ça, je fais mes miniatures comme ça, moi. Photo, hop. Là, je suis en mode photo. Alors, soit je la fais de l'autre côté. Peu importe, je m'en fous. Moi, je vais de la faire de l'autre côté, c'est mieux. Je vais faire comme ça la photo. Hop. Je vais avancer un petit peu. Je vais voir ce que ça donne comme ça. Ouais, non, je sais pas, c'est prêt. Tac. Avance un petit peu. Tac. Tac. Ah, c'est trop près. Là, vous avez juste à dézoomer. Voilà, je zoome un petit peu. Peut-être même plus par là, peut-être. Comme ça, j'ai ma miniature pour ma vidéo. Je vais peut-être m'avancer un petit peu. Un petit peu encore. Tant que le texte est dedans, ça suffit, quoi. Voilà, bah, je vais faire ça, une petite photo comme ça. Voilà, ce sera la miniature pour ma vidéo, prochaine vidéo, qui arrivera prochainement sur la chaîne. Donc, du coup, je vais vous laisser. Moi, je vous dis pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, commenter mes vidéos. Si bye bye, porte bien. Peace! Let it go. Let it go.